ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحن وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأصل الثالث من أصول منهج النبوة، كما نص على ذلك المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث سماه المؤلف الحذر من البدع والمبتدعين. Nous sommes arrivés, mes frères, au troisième fondement parmi les trois fondements de la voie prophétique qui ont été cités et nommés par l'auteur de ce livre. Et ce troisième fondement, l'auteur l'a appelé ou l'a nommé la mise en garde et la méfiance que l'on doit observer contre les innovations et contre les innovateurs. Les innovations et les innovateurs. وعلى صدارة هذا الباب يقول المؤلف أو ذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم: prenez garde à toute chose nouvelle, car elle constitue un égarement. Celui qui vivra ceci, qu'il s'attache à ma voix et à la voix des califes bien guidés, mordez-y à pleines dents. Non. Prenez garde à toute chose nouvelle, bien sûr, toute chose nouvelle dans la religion. Non. Les choses nouvelles concernant la vie mondaine, elles sont permises dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi d'Allah. Non. Les innovations, les découvertes, etc., technologiques et autres. Amma, toute innovation dans la religion est strictement interdite. يقول المؤلف: الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. Attends, je pense que c'est quelque chose qui est clair pour vous. Il dit la réfutation sur le contrevenant ou le contradicteur et la mise en garde contre les gens de l'innovation est un des fondements des gens de la sunna. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية nous rapporte في مجموع الفتاوى، il dit:
comme les têtes de l'innovation qui profèrent des propos contraires au livre et à la sunna, ou ceux qui s'adonnent à des actes d'adoration contraires au livre et à la sunna. Les uns et les autres font partie des gens de l'innovation religieuse. Non. Donc il dit, l'éclaircissement quant à leur état et la mise en garde de la communauté contre eux est obligatoire, et ceci à l'unanimité des musulmans. Adam hal ittifaq bayn al muslimin. Non, ça fait l'objet d'un consensus chez les croyants, comme l'a cité Cheikh Issam ibn Taymiyyah. Jusqu'à ce qu'on demande à l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui demanda, la personne qui jeûne, qui prie et accomplit la retraite spirituelle, l'i'tikaf, est-il préférable à tes yeux à celui qui dénonce les gens de l'innovation? Il répondit, l'imam Ahmad, dès lors qu'il jeûne, qu'il prie et qu'il se retire spirituellement, ceci est pour le compte de sa propre personne. Quant à celui qui dénonce les gens de l'innovation, il le fait dans l'intérêt des musulmans. Ce dernier est préférable. Vous avez compris, frère? C'est une parole importante que vous devez avoir en tête, Inch'Allah. Thumma yakoulu shaykh l'islam ala min khilali kalamihi fabayyana wa yu'alliku al-an ala kalam l'imam Ahmed. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين كما قلنا ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. Écoutez ce qu'il dit. Il commente les propos de l'imam Ahmed, qui a été questionné juste avant. Il dit, il a mis en valeur le fait que ceci est dans l'intérêt commun des musulmans, c'est-à-dire la mise en garde contre l'innovation et les gens de l'innovation. Il a mis en valeur le fait que ceci est dans l'intérêt commun des musulmans concernant leur religion, au même titre que le djihad dans le sentier d'Allah. Car la purification du sentier d'Allah, de sa religion, de son menhaj, de sa législation, ainsi que le refoulement de la transgression de ceci et de leur animosité sur leurs principes, est une obligation. Al-Kifaya. Donc ici, c'est très dur à traduire ça. Une obligation, al-wajibun al-kifaya, c'est-à-dire que si un groupe de musulmans de la communauté s'en charge, les autres en sont dispensés. Donc ce qui est considéré ici par Allah, c'est que l'acte doit être fait. Que ça soit par une personne, par un groupe de personnes, tant que l'acte est fait, on enlève ou on retire le péché sur l'ensemble des musulmans. D'accord? Donc il dit que ceci est une obligation qui incombe à une partie des musulmans, si Allah, et ceci à l'unanimité des musulmans. Si Allah n'avait pas suscité celui qui refoule le préjudice de ces gens-là, la religion serait corrompue et pervertie. Là, mes frères, son préjudice est plus grand que la domination de l'ennemi sur le musulman dans la guerre. Car ces derniers ne corrompent les cœurs et ceux qui se rapprochent de la religion que sous la contrainte. Alors que cela, les gens de l'innovation corrompent les cœurs à la base. Naam, les frères, quand un ennemi prend possession d'un pays, al-adou al-kafir, le mécréant, quand il prend possession d'un état musulman ou d'une terre musulmane, les gens, les musulmans, ils vont suivre les lois de ce gouverneur, mais sans conviction. Ils vont le faire parce qu'ils sont contraints de le faire. Taba'an. Par contre, le mubtadi' ou l'innovateur, lorsqu'il va venir vers toi et t'insuffler toutes sortes de choses et de mauvaises conceptions, d'ambiguïté religieuse, ton cœur va être touché et tu vas appliquer ces choses-là par conviction. Nam ibtida'an. Voilà la dangerosité, mes frères, et voilà le sens du propos de Cheikh Issam ibn Taymiyyah lorsqu'il dit « Le préjudice des gens d'innovation est plus important que celui du kafir qui rentre et qui vient combattre un état musulman et prendre et avoir la domination et prendre possession de ce pays. » Non, vous avez compris? وقال في المعنى ذاته
مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين. وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على غرياسة، فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، هذا من عمل الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. Il dit aussi dans le même sens, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, en expliquant la plus grande condition à respecter concernant la réfutation sur le contradicteur. Car ce qui est voulu, mes frères, bien sûr, c'est de préserver la umma. Mais celui qui va faire la réfutation, il y a des conditions qu'il doit respecter aussi. Comme va l'expliquer Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, si un innovateur appelle à des dogmes et croyances contraires au livre et à la sunna, et qu'on craigne que les gens s'égarent par ceci, il se doit, c'est-à-dire le savant ou la personne qui va faire la réfutation, d'éclaircir sa situation aux gens afin qu'ils se préservent de son égarement et qu'ils connaissent son état. C'est clair. Tout ceci doit être à titre de conseil, à la bab al-nasiha, recherchant par ceci la face d'Allah, al-ikhlas, non pas relevant de sentiments personnels envers la personne, comme serait le fait qu'il y a entre eux deux, une animosité personnelle relevant d'une chose mondaine. Non. Par exemple, une personne va réfuter sur un mubtadi', mais il ne le fait pas pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala ou pour l'intérêt des musulmans, mais il le fait juste pour le rabaisser. Entre eux deux, il y a un conflit personnel, ce qu'on appelle hawa nafs, awit tanazur. Donc la personne qui fait la réfutation, elle doit être dans une condition optimum si on peut dire, c'est-à-dire mukhlis lillahi tabaraka wa ta'ala, sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et recherchant aussi l'intérêt des musulmans, que les musulmans soient préservés du mal de cette personne. Donc comme serait le fait qu'il y ait entre eux deux une animosité relevant d'une chose mondaine, de jalousie, de haine, ou que le pouvoir soit un objet de conflit ou de dispute entre eux, hein? Comme ça peut être le cas et comme c'est déjà arrivé. Il évoquerait ouvertement ses défauts sous couvert du bon conseil, alors que son attention au plus profond de lui-même est de le rabaisser aux yeux des gens sans lui laisser le moyen de réfuter et de se défendre. C'est-à-dire qu'il va le rabaisser à tous les niveaux. Ce qu'on appelle l'istifa. Istifa, c'est-à-dire que c'est donner quelque chose ou prendre quelque chose, mais de façon complète. Sans rien laisser derrière. Vous avez compris? Donc il va le rabaisser et il va le laisser comme quelqu'un qui est vide et sans argument à faire valoir pour se défendre. Et ceci est un acte de shaitan. وقال أبو عثمان الصابوني كلاما ذكرناه في أيام ماضية يقول في بيان علامات أهل السنة، فهذا في آخر كتابه كأنه في خاتمة الكتاب. نعم. Donc ce propos-là de l'imam الصابوني, lorsque vous venez vers son livre, il le cite pratiquement à la fin de son livre, comme si c'était une conclusion. Non. Il dit, en parlant des gens du livre, en parlant des gens de la sunna et des signes distinctifs qui les caractérisent, وَيُبْرِدُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاذِرُونَهُمْ وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ الَّتِي إِذَا مَغْرَتْ بِالْآذَانِ وَقَغْرَتْ فِي الْقُلُوبِ ضَغْرَتْ وَجَغْرَتْ إِلَيْهَا مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ الْفَاسِدَةِ مَا جَغْرَتْ. وَفِيهِ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ. Donc je vais déjà vous traduire ceci. L'imam Saboni dit, parlant des gens de la sunna, il déteste les gens de l'innovation,
Ceux-là même qui ont innové et inventé dans la religion des choses ne faisant pas partie d'elle. Ils ne les aiment pas, ne les côtoient pas, n'écoutent pas leurs propos, ne s'assoient pas avec eux, ne polémiquent pas avec eux sur la religion. Ils préservent leurs oreilles de leurs mensonges, ceux-là même qui dès lors, en parlant de ces mensonges, ceux-là même qui dès lors qu'ils traversent les oreilles s'incrustent dans les cœurs, nuisent et occasionnent ce qu'ils occasionnent, comme insinuation et mauvaise pensée. Sur ceci, Allah révéla, quand tu verras ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. On avait déjà expliqué cette parole, on avait déjà cité l'explication de ce verset, en citant notamment la parole de l'imam al-Shawkani et la parole de l'imam al-Qurtubi. Rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Il dit un peu plus loin, Al-Mu'allif, donc c'est la page, c'est juste un peu en dessous. « وَشِعَارُ أَهْلِ السُنَّةِ اِتِّبَاعُهُمْ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ وَتَرْكُهُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ » Le mot d'ordre des gens de la sunna, c'est deux points, leur suivi des pieux prédécesseurs et le délaissement de tout ce qui est innové et inventé dans la religion. En bas de la page 301, l'imam Qawam al-Sunna al-Asbahani dit « وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ سُنَّةٌ لِأَلَّا تَعْلَقَ بِقُلُوبِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُ بِدْعَتِهِمْ وَحَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَلِأَلَّا تَكُونَ مُجَالَسَتُهُمْ ذَرِيعَةً إِلَى ظُهُورِ بِدْعَتِهِمْ » Il dit Qawam al-Sunnati Asbahani, le délaissement des assises des gens de l'innovation et leur côtoiement est une voie à suivre. Afin que les cœurs des faibles parmi les musulmans ne s'accrochent à certaines de leurs innovations, et ceci afin que les gens sachent que ce sont des gens de l'innovation, et afin que l'assise avec eux ne soit pas un moyen par lequel leur innovation se propage ouvertement. وَكَانَ السَّلَفُ يُحَذِّرُونَ مِنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك لأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله ولأن المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل هؤلاء لا يتوب الله عليهم كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حَتَّى يَدْعَ بِدْعَتَهُ Allah al-Musta'an. Les salafs mettaient en garde contre les assises des gens de l'innovation. Ne t'assois pas avec un innovateur, car il rendra ton cœur malade. Car l'innovation constitue un des plus grands dangers pour la religion d'Allah. On n'accepte de l'innovateur ni repentir, ni compensation. نعم لا يقبل من المبتدع صرف ولا عدل صرف ولا عدل ça veut dire صرف لا توبة ولا عدل ولا فدية ni repentir ni compensation il ne pourra pas se racheter par un repentir il ne pourra pas se racheter par une compensation يوم القيامة ou dans cette dunya صرف ولا عدل ça veut dire aussi لا يقبل منه فريضة ولا نافلة أو العكس. Donc il y a trois paroles chez les savants. Comme l'a rapporté Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari, il dit que la sarfun wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun. Pourquoi je mets l'accent sur le sens de ce terme-là? Car c'est un hadith du prophète. C'est une parole prophétique à la base. Naam, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man awa muhdithan fi al-Madina. Naam, la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun. Celui qui accueille ou qui héberge un innovateur à Médine, dans la ville de Médine, celui-là, on acceptera de lui ni sarf wala adl. Donc, le premier avis chez les savants, et c'est qawl jumhur, c'est qu'on n'acceptera de lui ni taouba. Allah n'acceptera de lui ni repentir, ni compensation. Deuxième chose, deuxième avis, on n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni acte surrogatoire. Et il était rapporté de Hassan al-Basri qui a dit, c'est le contraire, on n'acceptera de lui ni acte surrogatoire, ni acte obligatoire.
Ibn Hajar al-Asqalani dit quoi? Il dit ces trois propos ne se contredisent pas en eux-mêmes, ils sont tous acceptables. Walakin, le sens de la plupart des savants, c'est le premier. D'accord? On n'acceptera de lui ni taouba, ni repentir, ni compensation, fidya. Allah n'accepte de leur repentir comme spécifié dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah a dit, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a voilé le repentir à tout innovateur, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Certains savants ont expliqué ceci par le fait que, de par le fait que l'innovateur est persuadé et convaincu qu'il est dans la guidée et sur une voie droite, il ne lui vient même pas à l'esprit de pouvoir se repentir à Allah. C'est en ceci qu'il est voilé. Non? Qu'Allah nous en préserve. يقول الشيخ الأسلام المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحارب لأن البدعة استدراك على الشرع كأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله فالبدعة من أسوأ ما يكون نسأل الله ينفوتسي كوريجي نسأل الله أن يعافينا أجمعين. آمين. Donc, l'innovateur est persuadé qu'il est sur la vérité et qu'il sert la religion d'Allah le Très-Haut, alors qu'en fait il la combat, car l'innovation est une rectification sur la législation. Istidrakun ala shara. C'est comme si l'innovateur disait, de par son comportement, la religion est déficiente et moi je viens la compléter. Non ? Ce qu'on appelle yatakallamu bilisani halihi, même s'il ne le dit pas avec sa langue, mais ses actes le disent à sa place, non ? Ou à la place de sa langue. L'innovation est une des choses les plus néfastes. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve tous. Écoutez bien, mes frères, ici. يقول الإمام الصابوني donc c'est la page 303 en haut de la page 303 inchallah. وقال الإمام الصابوني ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. الإمام الصابوني qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Que nos frères ou que mes frères, qu'Allah les préserve, ne soient pas trompés par la profusion des gens de l'innovation et leur grand nombre. Car le grand nombre des gens de l'innovation et la rareté ou la pénurie des gens de la vérité est un des signes de l'approche du jour de la vérité. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes de l'heure est que la science se rarifiera et l'ignorance se proliférera. La science c'est la sunna et l'ignorance c'est l'innovation. Non, mes frères. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, la foi se réfugie à Médine, et se réunit, se rassemble à Médine, comme le serpent se réfugie dans son trou ou dans son repère. L'imam Ibn Abi Zamanin, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yaqul, wa lam yazal ahlu sunnati ya'ibuna ahla al-ahwa'i al-mudilla, wa yanhawna an mujalasatihim. ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. الإمام ابن أبي زمانين أدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. Les gens de la Sunna n'ont cessé de critiquer les gens de la passion égarée ou les gens des passions égarées et d'interdire leurs assises et mettent en garde contre leurs tentations et informe de leurs caractéristiques, ne considérant pas tout ceci comme de la médisance ou du dénigrement. Non, les frères, beaucoup de personnes ont cette ambiguïté
en disant ceux qui critiquent les égarés, les innovateurs, ils font en fait de la médisance. Et ils nous disent par la suite que la médisance est strictement interdite en islam. Donc c'est une parole de vérité, la médisance est strictement interdite. Mais elle est légiférée, conseillée et même des fois obligatoire dans certains cas. D'accord ? Comme c'est le cas ici. Donc, il fait partie des fondements de la sunna, mes frères, que la mise en garde contre les gens de la sunna, contre les gens de la passion, les gens de l'innovation religieuse n'est pas une médisance. Mais au contraire, comme le disent les savants, et même les savants de notre époque, Cheikh Abed el-Jabri, Cheikh Saleh Souhaimi, ils disent, la mise en garde contre les gens de l'innovation, c'est un acte de dévotion par lequel tu te rapproches d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, mes frères? Donc, on est à l'opposé de ce que disent ces gens-là. Donc, ne soyez pas trompés par ceci, Inch'Allah. Regardez ce que dit l'imam Ibn Abi Zamanin, qui a vécu au 4e siècle de l'Égir, en Andalousie et aussi en Afrique du Nord. Soufiane al-Thawri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, yaqul, man asra, celui qui tend l'oreille, man asra bi udhunihi ila sahibi bid'ah, خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. Donc il dit, celui qui tend l'oreille au propos de l'innovateur sortira de la protection d'Allah et sera livré à elle, c'est-à-dire à l'innovation. Naam. Rapporté par Al-Barbahari dans Sharh al-Sunnah et Abu Nu'aym fi Hilyat al-Awliya wa Ibn Battata fi Ibanة al-Kubra wa Al-Lalaka'i fi Sharh i'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله تبارك وتعالى عليه لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. فضيل بن عياض dit رحمة الله تبارك وتعالى عليه, ne t'assois pas avec les gens de l'innovation car je crains que la malédiction d'Allah tombe sur toi. نعم les frères. فضيل بن عياض من أتباع التابعين, il dit aussi, يقول كذلك, من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. Celui qui aime un innovateur, il faut bien comprendre ici, celui qui aime, من أحب محبة شرعية, pour sa religion. On ne parle pas ici de l'amour filial. Par exemple, entre un père et son fils, un homme et sa mère, par exemple. On ne parle pas de ça. On parle de l'amour religieux. Celui qui aime un innovateur, Allah lui annulera ses actes et sortira de son cœur la lumière de l'islam. Il dit aussi, يقول كذلك, من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صحت الله حتى يرجع. Il dit, celui qui vante ou qui glorifie un innovateur a certes participé à la destruction de l'islam. Celui qui sourit au visage d'un innovateur a certes dédaigné ce qu'Allah a descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui marie sa fille à un innovateur a certes rompu les liens de parenté avec elle. Et celui qui suit un cortège funéraire d'un innovateur ne cessera d'être sous la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il en revienne. Les paroles de Fadl ibn Iyad, elles sont justes, elles sont vraies, naam, mais elles doivent être recadrées dans un contexte. D'accord les frères? Ne prenez pas comme ça ces paroles brutes comme ça et vous allez mitrailler tout le monde dehors. D'accord les frères? Oui, mais le prophète, il a fait preuve aussi sur certaines choses de douceur. Comme on va le voir, Inch'Allah. يقول شيخ الإسلام حفظه الله تبارك وتعالى هذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه
ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. Il dit, ces propos et autres sont très nombreux chez les salafs de cette communauté et sont éparpillés dans les livres. Vous les retrouvez disséminés et éparpillés dans les livres. Chacun d'entre eux nous montre la position ferme des salafs qui ne comporte aucun compromis et aucune négociation avec les gens de l'innovation et de la passion. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغتغرون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبع لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية وكيف يغتغرون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم. طيب. Les pieux prédécesseurs ne sont pas trompés par l'ascétisme d'une personne, ou son éloquence, ou pour sa recherche des traces des gens de science, ou pour la profusion de ses exhortations aux gens, ou autres, dès lors qu'ils ne cheminent pas sur la sunna prophétique et la voie salafi. Larmes les frères. Comment peuvent-ils être trompés alors qu'ils ont le discernement par lequel est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a certes informé les compagnons sur les khawarij et l'ampleur de leur adoration et de leur ascétisme. Il a éclairci aux compagnons qu'ils dénigreront leurs prières à la leur, leurs jeûnes aux leurs. Ces informations sont venues dans un contexte de mise en garde contre eux, de réprobation et de non-duperie quant à leurs efforts religieux. C'est ce qu'on avait vu, mes frères, lorsque Ibn Abbas est parti voir les khawarij pour s'entretenir avec eux afin de les ramener à l'ordre ou de le ramener à la raison. C'était des gens qui étaient ascètes, plongés dans l'ascétisme. De telle sorte que la journée, ils jeûnaient et la nuit, ils le passaient en prière. Est-ce que les Sahaba ont été trompés par ceci? Non. Ce n'est pas le critère principal de jugement par lequel on détermine si la personne est sur la vérité ou non. Principal critère de jugement est de savoir est-ce que ses actes, sa parole, ses paroles, sa croyance sont en conformité avec le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce que dit ici Cheikh al-Islam. Il dit les pieux prédécesseurs ne sont pas trompés par l'éloquence d'une personne, son ascétisme, le fait qu'il s'attache à suivre les traces des savants ou alors qu'il fait beaucoup d'exhortations. Ça, ce n'est pas un critère de jugement, mes frères. Les plus grands innovateurs ont fait ceci. Wasil ibn Atta, comme on l'avait déjà rapporté, était une personne très éloquente. Naam, les frères. Voilà qui c'est un Mu'tazili. Al-Madhhab al-I'tizal, al-Khawarij, malgré leur jeûne constant et leur prière de la nuit qu'ils faisaient à chaque fois, et le jihad fi sabilillah, et le délaissement des péchés, malgré tout ceci, ils étaient dans l'erreur. Est-ce que leur ascétisme, leur prière les sauvera de leur égarement? Non. Le prophète a mis en garde contre eux et il a même dit ce sont les chiens de l'enfer. Et si je devrais les combattre, je les combattrai comme fut combattu le peuple de Had. C'est-à-dire durement, avec fermeté. Et regardez ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. Tellement ils étaient des grands adorateurs. Ubad. Donc il a bien montré ceci à titre de mise en garde. Comme dit Cheikh Raslan. Le fait qu'il a cité ici ces choses-là, c'est-à-dire le fait qu'ils prieront beaucoup, ils jeûneront beaucoup, ce n'est pas pour citer leurs qualités, non, et pour équilibrer les balances, mais c'est pour avertir et pour mettre en garde les croyants de ne pas être trompés par ce genre de choses, non, de ne pas être dupés par ce genre de choses. À page 305, قول المؤلف. وقاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقاتلهم وأظهره الله تعالى عليهم ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم
ولا بحال غيرهم من أهل البدع. Ali les combattit et les tua. Et Allah lui donna le dessus sur eux, et ni lui, ni aucun des compagnons ne furent trompés par leur état, ni par l'état des gens de l'innovation d'une manière générale. Hein, mes frères ? Comme ce fut le cas de Ibn Omar, lorsque ces deux personnes sont venues à lui, Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, lorsqu'ils sont venus voir Ibn Omar, ils lui ont dit, il y a des gens al-Basra qui recherchent la science, yataqaffaroun al-ilm. Walakin, ils disent, la qadar wal-amru unuf. Ils disent, il n'y a pas de destin. Wal-amru unuf, c'est-à-dire les choses, elles sont nouvelles. Elles n'ont pas été précédées par le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une parole innovée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala ? Il a dit, si tu les vois, sache que Ibn Omar est innocent d'eux, et eux sont innocents de moi. C'est-à-dire, il y a une scission claire et nette entre moi et eux. Hein? Ils sont sur une religion, je suis sur une autre religion. Les sahaba, ils ne sont pas trompés. Bien qu'ils yatakaffaroun al-ilma, ils recherchent la science, ils sont dans les assises de science. Peut-être ce sont des gens ascètes. Lakin Ibn Omar, il n'a même pas considéré ceci. Il a juste considéré le propos ambigu qu'ils ont propagé. Non? Comme quoi, il n'y a pas de destin et toute chose est nouvelle. Non? Il s'est innocenté et il a mis en garde contre ceci. Non. Écoutez bien mes frères ceci. Zakar al-Qadi Abu Ya'la. في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أشياء منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه هو حارث القصير يعني حارثنا المحاسبي أو المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه القاضي أبو يعلى السيتي dans son livre الطبقات الحنابلة طبقات الحنابلة c'est un recueil qui en fait retrace toutes les biographies ou tous les propos des gens du madhhab de l'imam Ahmed, al-Hanabila. Ça veut dire littéralement les générations de Hanabila, tabaqat al-Hanabila. Il y a aussi tabaqat al-Shafi'iyya, non, ça existe aussi. Donc, al-Qadi Abu Ya'la, il rapporte dans son livre tabaqat al-Hanabila concernant la biographie de Ali ibn Abi Khalid, qui a dit, Abu Ya'la a dit, Ali ibn Abi Khalid a rapporté de l'imam Ahmed beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il a rapportées de l'imam Ahmed, il y a ceci. J'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, ce shir, il parlait d'un homme qui était avec lui, un vieux qui était avec lui, et mon voisin. Je lui ai interdit la fréquentation d'un homme et il souhaite entendre sur lui, il souhaite t'entendre sur lui, Afwan. Il veut savoir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu dis sur l'homme qu'il souhaite fréquenter ou qu'il veut fréquenter. Qui est Harith al-Qasir ou Harith al-Muhasibi, qui est un homme qui s'est égaré, mais qui a causé beaucoup de mal. Ali ibn Abi Khalid a dit, et certes, en parlant à l'imam Ahmed, il dit, tu m'avais certes vu avec lui pendant plusieurs années et tu m'avais dit, ne t'assois pas avec lui et ne parle pas et ne lui parle pas. Et je ne lui ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'ai suivi ton conseil. Mais ce shir, qui est mon voisin, s'assoit avec lui. Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? فَرَأَيْتُ أَحْمَدَ قَدْ حْمَغْرَ لَوْنُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَعَيْنَاهُ وَمَا رَأَيْتُهُ هَكَذَا قَدْتُ ثُمَّ جَعَلَ يَنْتَفِدُ وَيَقُولُ ذَاكْ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلْ ليس يعرف ذاك إلا من خبر وعرفه أو وي يعني يتأفف ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه ذاك جالسه المغازري
ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. Il dit cette personne-là, Ali ibn Abi Khalid, j'ai vu que l'imam Ahmed devint tout rouge. Il est devenu tout rouge. Ses tempes gonflèrent ainsi que ses yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Puis, il s'y mit à frémir et à dire, celui-là, en parlant de Haris al-Muhasibi, il ne l'a même pas cité par son nom. Naam les frères, il ne l'a même pas cité par sa kunya ou par son nom. Il a dit, Hazak. Qui est dur? Ou alors c'est ces gens-là qui font preuve de laxisme. Notre référence, mes frères, c'est les gens de la sunna. Mais salafina salih. C'est pas les do'ats de notre époque qui essayent de nous jeter des ambiguïtés. Notre référence, c'est l'imam Ahmed, entre autres. Il a dit Zaka. Non, à la babi ta'ni wa zammi. Celui-là, Allah a agi envers lui et il a agi. Nul ne connaît celui-là, si ce n'est celui qui l'a bien connu et qui l'a fréquenté. Awai, awai, ça veut dire, c'est une plainte, c'est comme s'il est en train de se plaindre. Celui-là, nul ne le connaît si ce n'est celui qui est bien informé sur lui. Celui-là s'est assis à ses assises, Al-Murazili, wa Yaqub et autres. Et il les a tous emmenés à la croyance de Jahm ibn Safwan. Et ils sont péris à cause de lui. Non, les frères? Le danger de s'asseoir avec Ahl Bidah. Alors que Al-Haris al-Muhasibi, c'était un wa'az, c'était un grand exhortateur. Fit tarhib wa tarhib. Il avait des qualités. Voilà que le mal qu'il a causé, mes frères, il est préjudiciable. Il est prédominant sur le bien qu'il a. Regardez comment l'imam Ahmed il a été dur envers lui. Thumma faqal lahu ash-shaykh. Donc ce vieux-là, فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين وجعل يقول ذاك ذاك. Le cheikh lui a dit, يا أبا عبد الله, qui est la kunya de l'imam Ahmed, il rapporte le hadith, il est posé, il est concentré et dévot. Parmi ces récits, on raconte ceci et ceci et ceci. Abu Abdullah se mit en colère. L'imam Ahmed se mit en colère. Et se mit à lui dire que sa dévotion et que sa douceur ne te trompent pas. Que sa dévotion et que sa douceur ne te trompent pas. Et il dit, ne sois pas trompé par l'inclinaison de sa tête. Ne sois pas trompé par l'inclinaison de sa tête. C'est un homme mauvais. Nul ne le connaît sauf celui qui l'a fréquenté et qui le connaît bien. Et qui est informé de son état, ne lui parle pas aucune estime envers lui. Ne t'assirais-tu avec tout innovateur relatant et rapportant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que toute personne innovateur rapportant les hadiths du prophète est-il légitime de s'asseoir avec eux? Par le simple fait qu'il rapporte les hadiths du prophète? Non, aucune estime envers lui et aucune faveur. Et il se mit à répéter, celui-là, celui-là. Est-ce que c'est une dureté qui est légitime, mes frères? As-alukum billah. Est-ce que c'est une dureté qui est légitime au regard des textes religieux? Ou alors c'est nous qui jugeons avec nos passions? Non. Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, Imam Ahmed. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Et après, ces personnes-là viennent nous dire qu'on fait du ta'assoub chez l'imam Ahmed et qu'on le prend comme un prophète. Mahmed laqiya bil qaboul fi l'ard. Il a reçu l'acceptation des gens de science sur terre. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on évoque son nom, on dit rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Et il est appelé imam ou ahli sunnati wal jama'a. Il n'y a personne d'autre qui a ce qualificatif. Qui c'est qui lui a donné ce qualificatif? C'est les savants de son époque. Et c'est ceux qui ont suivi les gens de la sunna qui ont reconnu ceci en lui.
L'âme, les frères. Donc, laisse parler ceux qui disent que on est trop dur, etc. Yaqulu al-Imam al-Barbahari, c'est une parole très importante, les frères. Yaqulu al-Imam al-Barbahari, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, wa'alam, rahimakallahu ta'ala, anna al-ilma laysa bi kathrati riwayati wal-kutub, innama al-alimu man ittaba' al-ilma wal-sunan, wa in kana qalila al-ilmi wal-kutub, wa man khalafa al-kitab wal-sunnata fahuwa sahibu bid'a, wa in kana kathira al-ilmi wal-kutub. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science ne se détermine pas par les nombreuses narrations et les livres que tu as emmagasinés. Mais le savant est celui qui suit la science et les traditions authentiques, même s'il possède peu de science et peu de livres dans son bagage scientifique. Celui qui contredit le livre et la sunna est un innovateur, même s'il connaît beaucoup de choses et connaît de nombreux livres. D'accord ? Donc le alim, mes frères, avant tout, c'est celui qui est sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, al-ilmu laysa bi kathrati riwayati wal kutub, innama al-ilmu bi isabati sunnati kama qala Cheikh Raslan. En effet, la science ne se détermine pas par le nombre de narrations et de livres, mais la science est la conformité avec la sunna. Na'am. Yaqul Cheikh Raslan, page 308. Au du livre Ahlul Bida'i, A'zamu min as-sughraq, li'annahum yasriquna qalbak wa yastuna ala dinik. Les gens de l'innovation sont plus dangereux que les voleurs, car ils volent ton cœur et dévalisent ta religion. Naam, ils volent ton cœur et ils dévalisent ta religion et occasionnent beaucoup de dégâts. Naam. Page 310. يقول المؤلف والمقصود أن السلف لم يكونوا يغتغرون بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم وطلبهم العلم بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. وفينال للسلف n'étaient pas trompés par les actes des gens de l'innovation, ni par leur ascétisme, ni leur recherche de la science, mais au contraire, ceci était une cause de leur effort dans la mise en garde contre eux et leur délaissement, de par la duperie qu'ils occasionnent chez un grand nombre de gens qui sont ignorants de la réalité dans laquelle ils sont et ce à quoi ils appellent. Effectivement, mes frères, quant à un innovateur qui fait partie du commun des musulmans, qui n'appelle pas à son innovation, on mettra en garde, mais de manière légère. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait du mal au final qu'à lui-même. Non, il n'appelle pas à son innovation. Amma, quand l'innovateur est quelqu'un qui prêche, qui a un auditoire, qui a des suiveurs, qui a une tribune, celui-là, non seulement les savants ne sont pas trompés par ses propos, son ascétisme, son éloquence, etc., mais en plus de ça, ils voient en fait bien le contraire, comme dit Cheikh Raslan. Ils mettent l'accent sur lui et ils redoublent d'efforts et ils mettent en garde à plus forte raison les gens contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il appelle à sa voix. Il appelle à son égarement. Hein, mes frères ? On va rentrer dans un sujet, mes frères, qui est d'actualité. يقول الشيخ رسلان فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة وقد رأيت أنهم عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعداد مناقبهم. كتب ذلك c'est très important mes frères. Où sont ceux qui inventent des règles par rapport à ce cheminement que le prophète a éclairci, sur lequel ont cheminé les compagnons, et sur lequel ont marché les savants de cette communauté parmi les gens de la sunna. Donc il dit, tu as certes vu que lors du conseil qu'ils prodiguent pour la communauté et la mise en garde contre les innovateurs, ils éclaircissent leurs innovations et éloignent les gens d'eux sans citer leurs qualités et dénombrer leurs bienfaits. Donc le prophète, quand il met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il met en garde contre Khawarij, par exemple,
n'a pas dit toutes les qualités qu'ils avaient, d'accord? Mais il a été droit au but, d'accord? Car le but ici, c'est la mise en garde contre eux, non? Et le fait de ne pas être trompé par leur voix déviante. بل ما ذكروه من ذلك نص على أنه عليهم لا لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. Mais ce qu'ils ont cité de tout ceci est stipulé comme contre eux et non pour eux, comme les dires du prophète envers les Khawarij. Non. ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحق بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. Mais la citation des qualités des personnes, citer des qualités des personnes critiquées ou qui doivent être critiquées lors de sa critique et de la mise en garde contre lui affaiblit la critique au point même de l'annuler. Elle peut au final se révéler comme une invitation à lui, c'est-à-dire à sa voix. Imaginons qu'une personne déviante, personne, le savant met en garde, les savants mettent en garde contre lui. Imaginons que cette personne-là, avec toutes ses erreurs, on évoque ses qualités, ses bienfaits, au même titre que ses défauts. Au final, qu'est-ce que ça va occasionner? Ça va affaiblir la critique. Yud'ifu al-jarha. Ça va affaiblir la critique et ça risque même de l'annihiler aux yeux des gens. Car les gens, comment ils vont penser? Ils vont dire, il est comme tout le monde, il fait du bien, il a des erreurs. Où est le problème? Donc lorsqu'on évoque les qualités et les défauts, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire au final? Il a dit qu'il était là des défauts comme tout le monde. Ça reste un savant. On prend de lui. Ça peut même, comme dit Cheikh Raslan, amener les gens à le suivre. Si tu évoques ses qualités, les gens ils peuvent être trompés par les qualités que tu as évoquées chez cette personne. Donc, dans la critique d'un innovateur, on n'évoque pas ses qualités, sauf à deux ou trois exceptions. Mais on n'évoque pas ses qualités, on n'évoque que les choses répréhensibles par lesquelles les gens sont trompés, afin que la critique soit forte et solide et que les gens soient préservés de son mal et préservent leur religion de ceci. وقد يلتبس صنيع بعض الأئمة كالإمام الذهبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه على بعض طلاب العلم فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه ويحتج من فعل الذهبي بما لا حجة فيه على ما لا حجة له ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منهم. La méthode employée par certains savants, comme l'imam al-Zahabi, met dans la confusion certains étudiants en sciences. Ils confondent entre la biographie d'un narrateur et sa critique. Écoutez bien, c'est important mes frères. Et ils s'appuient sur la méthode de l'imam al-Zahabi, sur laquelle on ne peut s'appuyer pour approuver ce dont il n'y a aucune preuve. Et, c'est-à-dire al-Muwazana, c'est le fait de citer les bienfaits et les méfaits de cette personne. Et ils obligent les grands savants cheminant sur la voie prophétique à citer les qualités des innovateurs tombés sous la critique et la mise en garde contre eux, comme Mohamed Hassan et autres. Ils critiquent nos savants en disant « vous citez que les mauvaises choses chez eux et vous oubliez de citer leurs bienfaits et leurs qualités. » Et on va voir que ceci, c'est une mauvaise conception qu'ils ont. « Wa haqiqatu fi'li l'immati » وبيان الفرق بين الترجمة والجرح يتضح بالمثال من كلام الإمام الذهبي نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. La réalité de la méthode des savants concernant cette différence entre la critique ou la biographie plutôt d'un narrateur et sa critique. Cette méthode là ou la réalité de cette méthode et l'éclaircissement sur la différence entre la biographie et la critique se mettent en valeur par l'exemple. C'est-à-dire ici, on va citer un exemple qui va mettre en valeur la différence entre les deux. Et cet exemple-là, on va l'apprendre de la parole de l'imam al-Zahabi lui-même. Afin que, si une personne vient vous voir un jour, et il vous dit, regardez ce que dit l'imam al-Zahabi dans Sir Alam al-Nubala. En citant tel et tel innovateur, il a cité ses bienfaits. Pourquoi nous, à notre époque, nous ne le ferions pas? Donc l'imam al-Zahabi, Cheikh Raslan, il va citer la méthodologie de l'imam al-Zahabi et ceux qui l'ont précédé dans ceci concernant l'éclaircissement sur la différence entre ces deux choses-là bien distinctes qui est une biographie et une critique. C'est deux choses différentes.
Donc, il dit, Yaqul, Tarjama al-Zahabi, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, fi siyar a'lam al-Nubala, li Ahmad ibn Abi Du'ad. ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا فضلا عن أن يكون من أعلامهم فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره وحامل لواه أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذائه أعلامها Il dit, l'imam al-Zahabi dit dans Siyar A'lam al-Nubala, qui est son fameux ouvrage de biographie, sa grande biographie, nous l'avons ici, ce livre, nous avons combien de volumes 24 volumes. Non. Donc il dit dans Siyar A'lam al-Nubala, la biographie de Ahmed ibn Abi Du'ad. Qui peut me rappeler qui est cet homme? Ahmed ibn Abi Du'ad, c'était le conseiller d'Al-Wathiq wal-Mu'tasim wal-Ma'mun kathalik. Celui qui était le proche du calife, c'était Ahmed ibn Abi Du'ad, al-Mu'tasim al-Jahmi. C'est lui qui a influencé le calife al-Ma'mun. Puis Al-Mu'tasim, puis Al-Wathiq. Donc l'imam al-Zahabi dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala concernant Ahmed ibn Abi Du'ad, c'est la parole de Cheikh Raslan, qui dit Ahmed ibn Abi Du'ad ne fut point parti des nobles, encore moins des savants. Non, ça c'est pour ne pas être trompé sur le fait que sa biographie elle se trouve dans ce livre, Siyar fi A'lam al-Nubala, c'est-à-dire les cheminements des grands savants nobles, alors que lui il n'est ni noble ni savant. Voilà qui, ça fait partie des tarjama qu'Imam al-Zahabi a cité. Donc, Cheikh Rassan dit, il ne fait pas partie des gens nobles de caractère au niveau, c'est-à-dire dans sa religiosité, encore moins des savants. Car nous avons vu que le savant est celui qui est sur la sunna, comme l'a dit l'imam al-Barbahari. Donc, il fut le plus grand prédicateur à la croyance de Jahm ibn Safwan à son époque. Il porta l'étendard des gens de l'innovation dans la guerre qui les opposait aux gens de la sunna et le préjudice qu'ils portaient aux savants. Non. C'est quelqu'un qui avait une aversion, une animosité envers les gens de la sunna, notamment envers l'imam Ahmed. وَلْنَنْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الذَّهَبِي لِبْنِ أَبِي دُؤَادِ فِي السِّيَرْ ثُمَّ لَنْظُرْ فِي كَلَامِهِ فِيهِ فِي مِزَانِ الْاِعْتِدَالِ. Donc ici il dit, regardons attentivement la biographie qu'en a faite l'imam al-Zahabi dans Siyar. Puis regardons ses propos à son sujet dans son livre Mizan al-I'tidal, qui est un livre de l'imam al-Zahabi, mais là qui ne traite pas de biographie, ce sont des critiques sur les narrateurs du hadith. Hein? Ce qu'on appelle Kutub al-Rijal. Donc ici, on fait des biographies succinctes, pas dans le but de narrer son histoire, sa vie, etc. Mais là, c'est pour savoir si le narrateur est fiable et intègre, et qu'on peut le prendre dans la narration du hadith. Vous avez compris? C'est deux choses, deux sciences différentes. L'imam al-Zahabi, qui est un savant du hadith et qui était aussi un grand historien, un grand élève de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il a fait ces deux livres-là. Donc Cheikh Al-Islam nous dit, on va regarder ce que dit l'imam al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, qui est un livre d'histoire et de biographie. Et on va regarder ce qu'il dit dans Mizan al-I'tidal, qui est son livre aussi, mais là qui est un livre de critique des hommes. Afin que l'on voit bien la différence entre les deux. قال في السير القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم ولد سنة 60 و100 بالبصرة ولم يضف إلى كرمه كرم وَلَمْ يُضَفْ إِلَى كَرَمِهِ كَرَمْ. Regardez bien. Je vais déjà vous traduire ceci. Comme ça, ça vous planque le décor. Il dit dans son livre de biographie, le grand juge, Abu Abdillah Ahmed ibn Faraj ibn Hariz al-Iyadi al-Basri puis al-Baghdadi, le Jahmite, l'ennemi de Ahmed ibn Hanbal. Il fut un prédicateur à la parole, le Coran est créé. Il y avait en lui de la générosité, de l'hospitalité, un bon comportement ou de bonne mœurs, ou un comportement excellent à Afwan et d'autres fastes. Il naquit en 160 de l'Hégire à Basra. Personne ne le vaut dans la générosité et dans l'hospitalité. Personne ne le vaut dans la générosité et dans l'hospitalité. Il parle de qui? Il parle d'Abu Tazili. Vous avez compris, les frères? L'imam al-Zahabi
imam min a'immati ahli sunnati wal jama'a. Regardez comment il parle d'un innovateur. Il continue. وقال أبو العينة كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح من قال عبد الله بن أحمد سمعت بشر بن الوليد يقول استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مغرات ثم يرجع. وقال الخلال حدثنا محمد بن أبي هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقص يقول على ابن أبي دؤاد اللعنة وحش الله قبره نارا فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. Traduire ceci. Il continue, il dit. Abu al-Aina dit, Ibn Abi Duad était un poète excellent, éloquent. Non, je n'ai jamais vu un homme de pouvoir plus éloquent que lui. Al-Khalal dit, nous a rapporté Mohammed ibn Haroun d'après Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, a dit, j'ai passé la fête avec Ahmed ibn Hanbal lorsqu'un conteur dit, la malédiction sur Ahmed ibn Abi Duad, qu'Allah remplisse sa tombe de feu. Abu Abdillah dit, l'imam Ahmed a dit, quel profit il a été pour le commun des gens. C'est-à-dire de par sa fonction de gouverneur. Il a rempli sa fonction de gouverneur correctement. Il a rempli sa fonction correctement. Par contre, ses problèmes qu'il avait, c'est de par sa croyance. وَقَدْ شَاخَ بْنُ أَبِي دُؤَادٍ وَرُمِيَ بِالْفَارِجِ وَعَادَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكِنَانِي وَقَالْ لَمْ أَتِيكَ عَائِدًا بَلْ لِأَحْمَدَ اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ سَجَنَكَ فِي جِلْدِكِ. Et lorsque Ahmed ibn Abi Duad prit de l'âge, il fut touché par la paralysie. Et Abdul Aziz al-Kinani, un grand savant de la Sunna, qui lui auparavant avait fait un grand débat qui est connu avec Bishr al-Muhasibi. Bishr al-Haris al-Muhasibi. Il vient le visiter, il lui a dit, je ne suis pas venu te visiter. Je ne suis pas venu te voir en tant que visiteur. Car on sait très bien que les gens de la Sunna ne vont pas visiter les malades parmi les gens de l'innovation. Quelque chose qui est connu. Mais je suis venu pour louer Allah qui t'a emprisonné dans ton corps. Puisqu'il est paralysé maintenant, il ne peut plus bouger, donc c'est comme s'il était emprisonné dans son corps. Il est venu louer Allah par rapport à ceci. Intaha kalam al-Dhahabi min siyar, min kitabihi siyar. يقول الشيخ رسل فهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه ومع ذلك فهذا كله في ترجمته وهو متضمن لجرح شديد بل قاتل له فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة وعدو عنيد لأهل الحق. Donc il dit, voilà ce qu'a cité l'imam al-Zahabi dans sa biographie, dans la biographie d'Ahmed ibn Abi Duad, dans son livre Al-Siyar. Il cita certaines choses en sa faveur, mais ceci ne représente rien en réalisant bien par rapport aux choses en sa défaveur. Malgré ceci, on retrouve tout ceci, tout cela dans sa biographie, c'est-à-dire toutes ses qualités, on le retrouve dans sa biographie, qui renferme aussi une critique sévère et presque mortelle. Non, car il cita aussi, l'imam al-Zahabi dans Siyar al-Alam al-Nubala, qu'il était innovateur, prédicateur à une voix ignoble et fausse, et une fausse religion, ennemi entêté des gens de la vérité. Donc tout ceci, l'imam al-Zahabi l'a cité dans Siyar al-Alam al-Nubala, donc dans un livre de biographie, mes frères, on cite Al-Mahasin ou Al-Masawi. On cite les qualités des gens et les défauts des gens. Al-Abab il-Adli ou Al-Insaf. Afin d'être équitable et impartial. Maintenant, on regarde le livre de Mizan il-I'tidal, qui est un livre qui se rapporte à la critique des narrateurs. À savoir si la personne elle est fiable et intègre. Est-ce qu'on peut la prendre dans la narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on n'est pas dans les mêmes considérations. قال الذهبي في ميزان الاعتدال. عفوا. يقول قبل ذلك. ولننظر فيما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال ليتضح الحق من صنيع الأئمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال. أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض. هلك سنة 40 و200 قل ما روى. خلاص. انتهى كلامه.
Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien la différence, mes frères. Ahmad ibn Abi Duad est un Jahmite, vil, ignoble. Il a péri en l'année 240 de l'Hégire. Il n'aura que très peu de hadiths du prophète. Voilà. Est-ce qu'il a cité des qualités ici? Donc, quand les savants ils mettent en garde contre les gens de l'innovation, ils sont dans quelle considération? Ils sont dans une biographie qu'ils font? Ou alors ils sont dans la mise en garde? Mise en garde, Harry. La mise en garde, genre, c'est pour biographie, c'est pour C'est quand la personne elle est morte en général. Voilà. La biographie, la personne elle est morte, on connaît son mal, on évoque ses bienfaits, ses défauts. Là, la mise en garde, mes frères. Là, on est dans une mise en garde. On va savoir, est-ce que Ibn Abi Duad, on peut prendre le hadith de lui? Non, Jahmi. C'est un Jahmi. Il a la croix de Jahmi Ibn Abi Safwan. Donc ici, l'imam al-Zahabi, il n'a pas pris quatre chemins pour arriver au but. Il a été directement à ce que les savants ils veulent entendre et voir. Est-ce qu'on prend de lui ou non? Est-ce qu'il est fiable ou non? Est-ce qu'il est intègre ou non? Ici, al-adala, saqatat adalatu. Son intégrité religieuse, elle est tombée. Pourquoi? D'accord, les frères? Donc, vous avez vu la différence entre une critique, une mise en garde, d'accord, et une biographie. Mais on n'évoque pas ces qualités. Non. Dans la mise en garde, non. Pourquoi? Parce que comme le dit Cheikh Hassan, si tu évoques les qualités dans une mise en garde, les gens, ils vont, la critique, elle va être affaiblie. Elle peut même être annulée. Les gens, ils vont focaliser sur les bonnes actions, ils vont oublier les mauvaises actions. Quand tu dis de quelqu'un, un tel, c'est un grand exhortateur, mashallah, il a de la science, un éloquent, etc. Il nous a fait tous pleurer. On est sorti, machallah, on avait la foi qui est montée, machallah. Elle est montée en flèche. Non, machallah, en plus, il est racher, c'est-à-dire il est dévot, il a fait preuve de dévotion, il baisse toujours la tête. Il y en a que ça, machallah, il prie la nuit, etc. Et tu dis à côté, mais il a des erreurs aussi, il a ça. Qu'est-ce qu'ils vont retenir, les gens? Les qualités. C'est comme si tu mets les qualités en avant. Donc ta critique, elle ne vaut plus rien, elle risque d'être annulée. Et ça peut même, au final, appeler les gens à sa voix, si tu évoques ses qualités. Les gens, ils vont dire, non, mais c'est quelqu'un de bien, regarde tout ce qu'il fait, tout le bien qu'il fait. Ou ils vont dire, comme disent certains, ses défauts, ils vont être noyés dans ses qualités. Ça, on le dit pour les gens de la sunna. On ne le dit pas pour les gens de la bid'ah. Pour les gens de la sunna, tu dis ça. Quelqu'un qui a beaucoup de qualités, il a des défauts, ces défauts, ils sont noyés dans ces qualités. Alhamdulillah. Ah, même pour les gens de la bid'a, tu dis pas ça. Bien au contraire. Si tu dis ça, mon frère, tu es en train de pervertir la religion des gens et les cœurs des gens. D'accord? Être sur le cheminement des salafs concernant ces problématiques-là. Là. Regardez aussi, Cheikh Hassan dit quelque chose de très important. À la suite de ceci. فذاك صنيع الذهب رحمه الله تبارك وتعالى في ترجمة ابن أبي دؤاد وهذا صنيعه في جرحه وبيان حاله. Il dit, voilà la voie adoptée par l'imam al-Zahabi dans sa biographie et sa voie et méthode concernant sa critique et son état. D'accord? في ميزان الاعتدال, l'imam al-Zahabi, il est comme ça avec tout innovateur. Non? Il va directement regarder ses défauts. C'est comme si vous voulez une fiche descriptive de la personne, à savoir qui est-il, où il est né, de qui il a pris la science, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour le mensonge, qui n'est pas connu pour le mensonge, et que c'est quelqu'un qui oublie souvent, qui n'oublie pas souvent, est-ce que c'est quelqu'un qui mélange entre les hadiths. Donc on fait une fiche descriptive de chaque homme, des hommes de la chaîne de transmission, et ensuite on leur déduit la validité du hadith ou non. D'accord? Donc il faut aller droit au but. On va pas s'embêter ici à citer toutes ses qualités. D'accord? S'il a 10 000 qualités, mais c'est quelqu'un qui oublie souvent, ben c'est ça qui nous intéresse. On ne prendra pas le hadith de lui, parce qu'il oublie souvent, justement. Même s'il a 10 000 qualités, le fait qu'il est sujet à l'oubli ou à la confusion entre les hadiths, eh ben on ne prendra pas le hadith de lui. D'accord? Même si c'est quelqu'un de pieux. Vous avez compris, les frères? Non. Donc on va directement à l'essentiel. وغرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة
وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم. Il dit la réfutation sur tout contradicteur par ses contradictions blâmables est un des fondements établis chez les gens de la Sunna et du groupe. Il réfute sur le contradicteur qu'il soit des gens de la Sunna ou autre. D'accord les frères ? Écoutez bien ici maintenant. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة فهذا تذكر ميزاته وحسناته لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج ولأنه يقوم بنصرة السنة. Donc c'est une des exceptions mes frères. Ici il dit: mais si la personne critiquée fait partie des gens de la Sunna, on a constaté en lui une erreur. C'est possible. On n'est pas tous infaillibles. Il peut que des gens de la Sunna fassent des erreurs. Il dit, mais si la personne critiquée fait partie des gens de la Sunna et des gens qui défendent la Sunna, et que ces erreurs se rapportent aux choses autres que le dogme ou le menhaj, on évoque alors quoi ? Ses qualités, car ses faiblesses et ses erreurs sont noyées dans ses bonnes actions. Tant qu'elle ne concerne pas le dogme ni le manhaj. Attention. Et aussi par le fait qu'il s'efforce à secourir la sunna. Voilà. Donc ici, mes frères, lorsque vous voyez quelqu'un de la sunna qui a une aqidah salima, qui a une bonne croyance, d'accord, qui est conforme à celle du prophète, qui est sur le manhaj salim, salaf salih, mais qui a fait des erreurs sur telle ou telle chose, on réfute sur lui. Et on peut citer ses qualités. Pourquoi ? Car cette personne-là, elle est connue pour défendre la sunna du prophète. Elle est connue pour défendre la sunna du prophète. Donc en citant ses qualités, on ne va pas porter préjudice à sa da'wah. On ne va pas porter préjudice à la personne qui va écouter. Qu'elle le suive, alhamdulillah, sa croyance et son minhaj sont saints et authentiques. D'accord ? Donc il n'y a aucun mal à citer ici ses qualités. Quant à celui... أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il dit, quant à celui qui est critiqué ou dénoncé parmi les gens de l'égarement et de l'innovation, et qu'il consolide ceci en lui, il ne nous est pas permis d'évoquer ses qualités. Tout manquement à ceci conduirait à un grand mal. D'accord ? Tout manquement à ceci, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire si la personne elle manque à ce principe d'omettre de citer les qualités, c'est-à-dire s'il fait le contraire, il cite les qualités des innovateurs, ceci va conduire à un grand mal. Certains étudiants ont perdu toute force et perdu leur temps dans la défense des gens de l'innovation et la guerre menée contre les gens de la vérité en argumentant sur le fait qu'il faut faire preuve de justice et d'équité en citant ses qualités et ses défauts lors de la critique. Comme les gens de notre époque. Mohamed Hassan et autres. D'accord, tous ceux qui suivent Tariqat al-Muwazana. Mohamed Abul Hassan al-Ma'aribi et autres. Ils ont corrompu les contrées et les serviteurs. Et ils sont persuadés qu'ils ne font que le bien. D'accord ? Donc c'est un principe qui est faux, mes frères. Tariqatul Muwazana. Et à notre époque, il a été mis en vigueur et il a été mis au grand jour par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساويهم وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. Il n'est pas nécessaire d'évoquer les qualités de la personne critiquée ou d'équilibrer le jugement en évoquant les qualités et les défauts en même temps, car Allah le Très-Haut a vanté les croyants sans évoquer leurs défauts à de nombreux endroits dans le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé les mécréants, les hypocrites et les pervers sans citer leurs qualités. Donc, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'injustice et de l'iniquité. Les preuves de ceci, mes frères.
قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre les gens de la passion sans prendre en considération ce qu'ils possédaient comme bonne qualité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé les défauts de certaines personnes sans citer leur qualité, et ceci à titre de conseil. Nasiha. Naam. An Aisha radiallahu tabarak wa ta'ala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Verset que nous avions déjà étudié, cité à maintes et maintes reprises. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. D'après Aïcha radiallahu tabarak wa ta'ala anha, a dit, le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset suivant. Et c'est lui qui a révélé sur toi ou descendu sur toi le livre qui contient des versets clairs de sens, muhkamat, et qui constitue la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à plusieurs sens. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils suivent les versets à ambiguïté afin de rechercher la dissension et la mauvaise interprétation. Et nul ne connaît sa véritable interprétation sauf Allah. Ou alors on pourrait le dire, et nul ne connaît son explication sauf Allah et les gens enracinés dans la science. Et ils disent, ces gens de science, certes nous croyons en Allah et tout ceci vient d'Allah. Les versets équivoques et les versets clairs de sens. Tout ceci vient d'Allah et on y croit et nul ne se rappelle de ceci que les gens doués d'intelligence. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu verras ceux qui suivent ces versets à ambiguïté et que cela, en délaissant les versets muhkamat, ceux-là sont ceux qu'Allah a nommément cités dans le verset. Allazina fi qulubihim zayghun. Ceux qui ont une déviance dans le cœur. Prenez garde d'eux. Mise en garde. Donc, on ne cite pas les qualités de ces gens-là. Mise en garde directe. Hadith muttafaqun alayhi. Wa zakara muslimun fi muqaddimati sahih. An Abi Hurayrata radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Siyakunu fi akhiri ummati. أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم عفوا. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il rapporte dans l'introduction de Sahih Muslim, d'après une version de Abi Huraira, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura au dernier moment de ma communauté des gens qui vous raconteront des choses que ni vous ni vos pères ont entendues. Prenez garde pour vous et prenez garde d'eux. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمع أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم لا يدلونكم ولا يفتنونكم. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم d'après Abi Huraira, il y aura à la fin des temps des grands menteurs, ils viendront à vous avec des propos dont vous n'avez jamais entendu ni vos pères. Prenez garde qu'ils ne vous égarent et qu'ils ne vous séduisent. Les frères, ou vous tentent. Hadith authentique aussi. Le prophète a mis en garde. D'accord ? La yuzkar al-mahasin. Wa ma'loumun anna ahl al-bida' la yakhlouna min mahasin. ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهاج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. Il est clair que les innovateurs ne sont pas dénués de qualité. D'accord ? C'est clair. Les innovateurs, il y en a qui ont des qualités. D'accord ? Malgré ceci, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris en considération leurs qualités
ni ne les a évoqués. Il n'a pas dit profiter et tirer bénéfice de leurs qualités, comme le prétendent ceux qui appellent à la voie de la pondération, c'est-à-dire Menhaj al-Muwazana. Hein, ceux qui disent qu'il faut être pondéré dans ses critiques, il faut être mesuré, il faut évoquer les bienfaits et les méfaits au même titre, afin d'être équitable et impartial. Donc il dit, Cheikh Raslan, le prophète n'a pas dit tirer profit de ces gens-là et délaisser leurs ambiguïtés. Hein? Tirer profit de ces gens-là, prenez les bonnes choses parmi eux et délaissez leurs ambiguïtés. Pas comme le prétendent ceux qu'ils appellent à la voie de la pondération, dont le cheminement et le suivi de cette voie occasionnent beaucoup de déviance et d'égarement. C'est-à-dire que le Mouazana, le Menhaj Mouazana, c'est une voie, c'est un Menhaj qui est répandu à notre époque, mes frères. Faites attention à ceci, Inch'Allah. Si quelqu'un vous dit il ne faut pas critiquer les gens de l'innovation, d'accord, ou alors critique-les, mais cite aussi ses qualités, sachez alors qu'il a une des alamad al-bidar. Si ce n'est un Mubtadir. Si tu n'as pas le droit, toi, de le critiquer. Si, moi, j'ai pas le droit de le critiquer, c'est-à-dire. Oui, cette personne-là. Ouais. Tout ce qu'on fait là dans ce livre-là, ce sont des outils par lesquels on peut, Inch'Allah, voir les choses avec clairvoyance. Il y a des signes distinctifs des gens de l'innovation. Si tu les vois, tu vas avoir déjà, Inch'Allah, la moitié du travail qui sera fait. Hein? Même si tu ne prononces pas un jugement sur lui, tu n'as pas la capacité. Si tu vois que cette personne-là, elle a des actes bizarres, conformes aux gens de l'innovation religieuse, ou des propos et des croyances conformes aux gens de l'innovation religieuse, tu vas faire quoi? Tu vas dire, non, c'est un soudi, je reste avec lui. Non. Tu vas faire attention pour toi-même déjà. Tu vas être vigilant. D'accord, tu vas redoubler de vigilance. Donc voilà l'intérêt de ces cours avant tout. Hein. C'est surtout avant pour nous, pour préserver notre religion. Ah, ben le dénoncer. Hein. Ça, c'est un travail, comme on l'avait vu. Il faut el-bayen, ou el-irshad, ou el-tawji, etc. Hein. Il faut l'orienter, lui éclaircir et le rappeler à l'ordre. Et ceci, bien sûr, pour ceux qui ont la capacité de le faire. D'accord ? Mais pour toi, ça reste un moyen, Inch'Allah, de pouvoir discerner le vrai du faux et la sunna de la bid'ah. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا آباؤهم فقال صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم ولم يقل وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des personnes qui tiennent des propos aux gens dont ni eux ni leurs pères n'ont entendu. Il a dit prenez garde d'eux et prenez garde pour vous. Et il n'a pas dit pondérer et équilibrer entre les bonnes et les mauvaises actions et rechercher ce qu'ils ont de meilleur parmi leurs qualités. D'accord ? Certains frères, ils font comme ça. Ils vont chez Al-Bida, ils disent moi je prends le bien de lui. Et ses errants, je les laisse. Au final, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on voit que cette personne-là commence à avoir des propos bizarres, des croyances bizarres, qui sont calquées sur la personne chez qui il s'assoit. Là, c'est impossible, mes frères, que vous assiez avec un innovateur, vous êtes pas touché. El Mourazili wa Yaqoub, comme l'a dit l'imam Ahmed, ils se sont assis aux assises de Haris al-Muhasibi. Fahalakou bi sababihi. Ils ont péri à cause de lui, comme a dit l'imam Ahmed. Là, et la croyance de Haris al-Muhasibi, sa croyance, c'est une croyance djahmite. C'est-à-dire, c'est des innovations qui sont claires et nettes. Naam, tartil sifat. C'est la négation des attributs divins, entre autres. Naam. Malgré ça, ils sont tombés. Vous imaginez un petit peu? Imaginez-vous alors. Vous assis avec des personnes de notre époque qui se disent nous sommes des salafis. Hein? Il faut suivre les salafs. Mais quand tu les vois, quand tu vois qui ils fréquentent, quand tu vois les savants vers qui ils reviennent, c'est pas des salafis, mes frères. Allah al-Musta'an. C'est pas des salafis. Mais ils trompent les jeunes avec ce genre de slogan. Et ils disent, entre autres, ce genre d'aberration, il faut pas critiquer. Mais si tu critiques, il faut critiquer alors avec parcimonie et équité et justice. Et ils disent, tu peux t'asseoir avec un tel, tu prends le bien de lui et tu délaisses ce qui n'est pas bien. Donc, même si les savants eux-mêmes, parmi les salafs, s'abstenaient de s'asseoir avec Al-Bida, pourquoi nous on le ferait? En disant, je prends de lui ce qui est bien et je délaisse ce qui est faux.
Qu'est-ce que tu connais de la religion, toi, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est bid'a? Donc nous disons pour ceci, ou les salafs, les savants, et les savants contemporains disent pour ceci, il est strictement interdit de s'asseoir avec les gens de la bid'a, même s'ils ont des qualités. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت ليس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكح أسامة بن زيد. Hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Donc ici, Fatima bint Qaisin, radiallahu tabaraka wa ta'ala, vient voir le prophète et a dit que Abu Jahm, Hudayfa al-Qurashi, Ibn Hudayfa al-Qurashi, Abu Jahm est venu demander, l'a demandé en mariage. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan est venu la demander en mariage. Regardez ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Amma Abu Jahm, fala yada. Il ne laisse pas le bâton, ou son bâton ne cesse d'être posé sur son épaule. Dans une autre version musulmane, ça veut dire qu'il frappe les femmes. Darabun l'indissa. Il frappe les femmes. Certains ont dit, c'est un grand voyageur. Mais la version la plus authentique, comme l'a dit l'imam Nawawi al-Asakh, c'est qu'effectivement, il frappe les femmes. Il a un comportement qui est rude. Radiallahu tabaraka wa ta'ala. Certains disent qu'il est mort dans la mécréance. Mais l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dit qu'il n'y a aucun dalil sur ça. Et on a même rapporté qu'il a apostasé sa religion, mais il est revenu dans l'islam et il a combattu lors des conquêtes avec Omar ibn al-Khattab. Inch'Allah qu'il est mort dans l'islam, Inch'Allah. Donc, le prophète, il a dit quoi? Il a dit, Abu Jahm, son bâton, il ne cesse d'être sur son épaule. C'est-à-dire, il frappe les femmes. Donc, le prophète, il lui a déconseillé de se marier avec elle. Et il a dit, Amma Muawiyah fasu'louk la malala. Muawiyah, c'est un pauvre, il a pas d'argent. Fankihi Usama ibn Zaydin. Marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Où il a qualifié un sahabi qu'il frappe les femmes. C'est une critique ou c'est une éloge? Est-ce qu'il y a une éloge sur cet homme-là? Non. Muawiyah, il a pas d'argent, miskin. Su'louk la malala. C'est une critique ou une éloge? Voilà. Pourquoi le prophète il s'est abstenu et il s'en est tenu aux critiques sans citer les éloges? Alors, Bab al-Nasiha, afin de conseiller cette femme, Fatima ibn Qaisin, bint Qaisin afwan. Non, les frères? Donc, quand c'est dans ces cas-là, la critique, ou alors les narrateurs, ou alors à titre de conseil, on ne va pas s'étaler à citer les faces et les qualités des personnes. On va directement au but. Et ceci fait partie de la religion d'Allah, comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Rawahu Muslim. فهذه استشارة من أمر يتعلق بخطبة وزواج. Voici une chose qui se rapporte à quoi? À une demande de mariage et à un mariage. Alors, à plus forte raison, mes frères, concernant la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Concernant ta aqida, ton minhaj. Il faut être encore plus décisif, afin que tu puisses préserver ce que tu as, ce que tu possèdes de plus cher, c'est-à-dire ta religion. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد وذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما ولم يذكر من فضائلهما ومحاسنهما شيئا ولهما من ذلك الكثير رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من ذلك. Il dit, voici une demande de conseil dans une affaire se rapportant au mariage, ou une demande de mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Fatima bint Qaisin d'épouser Usama ibn Zayd et évoqua le cas de Muawiyah de Abi Jahm et les défauts respectifs qu'ils avaient. Il n'évoqua nullement leurs mérites ni leurs qualités, bien qu'ils en possédaient de nombreuses. Parce qu'ici, on est dans Nasiha. Ça fait partie des exceptions. C'est un conseil. Non. Ça fait partie des exceptions. La femme, Fatima, bint Qaisin, elle est venue voir le prophète. Elle dit, qu'est-ce que tu penses si je me marie avec un tel ou un tel? Le prophète, il lui a déconseillé. Il a été directement au but.
Il lui a dit, Abu Jahab, il frappe les femmes. C'est ce que tu veux? Non. Je le déconseille. Ne te marie pas avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de qualité derrière? Il a des qualités derrière. Voilà qu'il a ce défaut-là. Et Mouawiya ibn Abi Sufyan, su'louk la malala. C'est un su'louk. C'est-à-dire c'est un pauvre. Su'louk, ça veut dire aussi abruti ou imbécile. Non, mais ici, ce n'est pas le sens. Car le prophète, il a expliqué. La malalahu. Mouawiya, yan hachan yakuna min sa'alik. Ah, hacha wa kalla. Mouawiya, c'est un grand sahabi. Non, min katabatil wahi. C'est un scribe de la révélation. Fama adanaka man huwa. Mouawiya, il n'a pas d'argent et tu risques de vivre une vie difficile avec lui. En gros, c'est ça qu'il lui a dit. Hein? Donc, il lui a dit, marie-toi avec Oussama ibn Zaydin. Hein? Pour son bien-être. Hein? Pour son bien-être. Pour son bien-être, bien sûr. Elle est venue à titre, elle a demandé conseil au prophète. Ça, hein? Donc, c'est permis dans ce cas-là. D'accord? C'est pas une médisance sur ces deux personnes-là. Et on prend ce hadith aussi pour prouver que lorsque la situation le nécessite, on ne cite pas les qualités d'une personne. D'accord ? On cite les défauts et on va directement au but. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة كما رواه البخاري. Donc ici أخرجه البخاري sur le numéro 5685. J'ai été revérifié, je l'ai trouvé sur le numéro 6032. Hadith numéro 6032. Donc je crois qu'il y a une erreur, Allahu a'lam. Non. J'ai regardé dans le hadith 5685, c'est un autre hadith. Le hadith 5685 qui se rapporte à un autre bab, rien à voir. Donc le hadith, vous pouvez le trouver sur le numéro 6032. D'accord ? Donc le prophète a dit d'après Aïcha, un homme demanda la permission de s'introduire chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que ce sahabi, cet homme-là, il s'appelait Uyayna ibn Husn ibn Huzayfa ibn Bard al-Fizari. Non. Radiallahu anhu. Donc, on a dit que un homme a demandé au prophète la permission de s'introduire chez lui. Et il dit, quel mauvais frère parmi les gens et quel mauvais fils parmi les gens. Parlons de cet homme-là. Non. Quelle mauvaise personne. Non. C'est quelqu'un qui parlait fortement. Et il s'est passé quelque chose juste avant qu'il rentre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Aïcha, il a dit, c'est qui celle-là? Donc le prophète, il l'a. Mais regarde, le prophète, il lui a dit ceci. Mais on verra que le prophète, il s'est comporté avec lui d'une manière très spéciale. On va le voir, inshallah. Wa qala l'imam al-Qurtubi, ya'ni mu'alliqan 'ala hadha al-hadith, wa fi al-hadith jawaz ghibat al-mu'lini bil-fisq aw bil-fuhsh aw nahwa dhalika min al-jawr fi al-hukm. Même le Qurtubi dit dans ce hadith, il y a la permission de médire sur les pervers qui se montrent en public, qui fait sa perversion en public. Non, il est permis de le faire. Non. Il est permis de médire sur une personne qui fait la perversion ou la turpitude en public. Il ne se cache pas des gens, donc tu peux parler sur lui sans problème. Ce n'est pas une médisance, Inch'Allah. L'imam al-Qurtubi dit, il y a dans ce hadith la permission de médire sur le pervers qui se montre en public ou celui qui s'adonne à la turpitude en public et autres. Quant à sa transgression dans les lois d'Allah et son appel à l'innovation religieuse. D'accord ? Il est permis de le faire. Wa qala al-Nawawi wa fil hadith mudaratu man yuttaqa fuhshu wa jawazu ghibati al-fasiq al-mu'lini bifisqi. وَمَنْ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْهُ. L'imam al-Nawawi dit, dans ce hadith, on en déduit la légitimité de traiter avec douceur celui dont on redoute la turpitude, Naam, et le mal. La légitimité de médire sur le pervers en public, comme la parole de l'imam al-Qurtubi, et ce qu'ont besoin les gens comme mise en garde contre lui. Donc ici, je vais m'arrêter un petit peu sur Al-Mudara. Al-Mudara, c'est quoi mes frères? Dara, ça veut dire Dara Yudari, qui veut dire montrer de la douceur envers quelqu'un. Al-Mudara, dans le jargon religieux, ça veut dire en fait faire des concessions ou faire preuve de douceur envers des gens qui sont dans le péché ou dans l'innovation religieuse. Ou même dans la mécréance. Comment? Al-Mudara, c'est par exemple passer ou fermer les yeux sur une chose de dunya afin qu'il obtienne quelque chose de dunya, mais mieux. Ou alors,
ferme les yeux sur quelque chose de dunya afin qu'il obtienne un profit dans sa religion. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Et toi, t'as pas beaucoup d'argent. T'es serré dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ta femme, par exemple, tu lui dis, voilà, on va lui donner de l'argent. Là, on va serrer la ceinture. Inch'Allah, c'est peut-être un moyen par lequel il se rapprochera d'Allah, il rentrera dans la religion, par exemple. Là. Donc, je vais faire une concession. Là. Je vais fermer les yeux, je vais faire une concession, je vais faire preuve de douceur et je vais lui octroyer ceci afin que lui, Inch'Allah, il obtienne, Inch'Allah, un intérêt religieux, là, un intérêt personnel pour sa religion. Là. Ou alors, Al-Mudara, c'est entre un fait religieux et un fait religieux. Par exemple, je ferme les yeux, je fais preuve de douceur sur certains péchés qu'il a faits, mais afin de l'amener vers quelque chose qui est plus important. Par exemple, quelqu'un, les exemples sont nombreux, mes frères. Quelqu'un, par exemple, qui s'adonne à un péché qui est récurrent chez lui. Non. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est un voleur. Non, c'est un buveur d'alcool, si vous voulez. Non. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas venir le critiquer directement en lui disant « t'es un fait à cire, tu bois de l'alcool, etc. 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 » Elle va fermer les yeux sur ceci. Non. Mais, en fermant les yeux sur ceci, elle va ramener cette personne, elle va côtoyer cette personne et elle va l'appeler au tawhid, par exemple. Non. Pour qu'au final, cette personne-là, elle comprenne, elle s'imprègne du tawhid et par d'elle-même, elle délaissera par la suite la consommation de vin, de par sa crainte qu'il aura envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, il a fait quoi? Il a fermé les yeux sur un mal pour un bien derrière. C'est ça qu'on appelle al-mudara. Hein? Ne pas confondre avec al-mudahana. Al-mudahana, c'est strictement interdit, mes frères. C'est quoi al-mudahana? C'est lorsque j'ai fait une concession de ma religion pour quelque chose de mondain. D'accord? Je ferme les yeux sur ma religion, sur des principes religieux, afin d'octroyer une chose de cette vie-là à cette personne-là. D'accord? Comme le font, par exemple, ceux qui sont proches du gouverneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient chez leur gouverneur des choses répréhensibles. Ils se taisent. Hein? Ils ne disent rien, ils se taisent. Parce que s'ils parlent, ils risquent de perdre leur place. Donc, ils se taisent. Mais pourquoi ils se taisent? Ils doivent réprouver le mal, normalement. Non, s'ils ont la capacité. Ils se taisent parce qu'ils veulent arriver à un poste plus important. Ou à une place plus importante. Donc, ils ont délaissé le din pour le dunya. Vous avez compris? Ce qu'on appelle mudahana. Ça, c'est strictement interdit. Amal mudara, c'est autorisé. Entre deux choses de dunya, entre une chose de dunya vers une chose de din, ou entre deux choses de din. Vous avez compris, les frères? Ça, c'est... Vous pouvez retrouver cette explication dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Dans l'explication du hadith, inshallah. Donc, c'est ce que dit ici l'imam al-Nawawi. Il dit « Wa fil hadith mudaratu man yuttaqa fuhshu ». Qu'est-ce qu'il a fait le prophète à cette problème avec cet homme-là? Il a dit ça au début, et ensuite, il lui a, si on reprend le contexte du hadith, il lui a souri au visage, et il l'a accueilli de la meilleure des façons. Il lui a souri au visage. Abtasama ala wajhihi. Il l'a accueilli avec un sourire, un grand sourire, il l'a honoré, etc. Et il a été doux envers lui. Hein? Vous avez compris, les frères? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fermé les yeux sur son comportement afin qu'il garde une bonne image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il puisse se réformer par la suite. وعن عائشة رضي الله عنها أن عند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. D'après Aïcha, radiallahu anha, qui a rapporté que Hind bint Utba, qui est bien sûr la femme de Abi Sofyan, et la mère de Muawiya, a dit, ô envoyé d'Allah, Abu Sofyan, elle parle de son mari, est un homme avare. Il ne me donne pas ce qui me suffirait, moi et mon enfant. Sauf que je suis, par la force des choses, obligé de prendre en cachette de son argent. Que penses-tu de ceci, ya Rasulallah? Elle est venue se plaindre. Le prophète a dit, prends ce qui te suffit, toi et ton enfant, dans le convenable. Donc regardez ici, Bint Utba,
elle a qualifié son mari de shahih, d'avare. C'est une critique ou c'est une éloge? Est-ce qu'elle a décrit ses qualités? Est-ce que le prophète l'a repris sur ça? Non. Donc c'est permis, mes frères. D'accord? À la Bab el-Istifta, lorsqu'on demande une fatwa, hein, on ne cite pas les qualités d'une personne, on va directement au but. D'accord? S'il a des défauts, tu as fait une injustice, etc., tu vas directement au but. Il m'a fait ceci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Comment je dois agir? D'accord, les frères? Ça ne fait pas partie aussi de la médisance. Tout ça, tous ces textes-là qu'on cite, ils sont pour réfuter Tariq Oman Hajjal Mawazan. Ceux qui disent, tu évoques les critiques, les défauts de quelqu'un, tu cites ses qualités, obligatoirement. Nous leur répondons par tous ces hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاه والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الجانب الذي لا ترضاه ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله تبارك وتعالى. On prend comme leçon de ce hadith la légitimité de rappeler chez la personne ce qui nous convient pas ou ce qu'on n'aime pas voir et entendre dans un contexte de demander la fatwa ou de se plaindre. Comme l'a fait Hind ibn Utba, elle a demandé la fatwa, elle s'est plainte au prophète, à cette fois-ci. Donc c'est permis. Et autre chose. Et c'est un des endroits où la médisance est permise. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas réprouvé la supplication ou la plainte de Hinda ibn Utba, et en plus de ça n'a pas réfuté sa plainte, et en plus de ça il ne lui a pas ordonné de citer les qualités de Sofiane, de Abi Sofiane, bien qu'il en possède de nombreuses, bien qu'il en possède de nombreuses. Si on devait citer les qualités d'Abi Sofiane, ses défauts seraient perdus et confondus dans ses qualités nombreuses. Walakin, le prophète n'a pas ordonné à sa femme de citer ses qualités. Vous avez compris, les frères, ce principe de très important, inshallah. La page 318. Taqul Shahr Aslan. Falou turika ahlul ahwa wa hum akifun ala ahwa'ihim yahtarifun al-kayda li hada ad-din bisatwin 'azim wa lisanin ghalidh وبالمسخ والتحريف والغمز والتبديل وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عسرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. Cheikh Rassan dit, si on laissait les gens de la passion accrochés à leur passion, exerçant le métier de la ruse envers la religion, par des attaques probantes et des langues rudes et tranchantes, par la déformation, par le tâtement et le changement. Et même s'ils font preuve de douceur et s'apitoient, ce n'est que par des expressions mensongères et façonnées. Si on devait les presser, en parlant de ces expressions ibarat, il en coulera des gouttes de prédication à une voix autre que celle des croyants. Là, Si on devait presser leurs propos, il en coulerait des gouttes de prédication vers quoi? Vers un autre chemin que celui des croyants. Ne soyez pas trompés, mes frères, par de beaux discours, d'accord? Par des discours ensorceleurs qui ensorcellent les gens, qui au final ne ramènent que la perdition et le désespoir. On va s'arrêter là, inshallah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'aynin la tadma' wa hasratin la tanqadi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.